Et salut tout le monde, c'est Zelux et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Simplicity, la map qui paraît simple mais qui ne l'est pas. Donc dans l'épisode précédent nous étions laissés sur ces leviers qui étaient apparus puisque j'avais mis 3 je sais plus trop quoi ici. Et donc là, pour garder le suspense, j'avais arrêté là et donc là on peut continuer. J'ai remarqué aussi dans les commentaires de l'épisode 2 que le passage où j'ai cassé les blocs fallait pas me mettre en game mode 0, je m'étais trompé, fallait juste courir et foncer dans le mur en game mode 2 du coup. Et ça aurait marché, bon excusez-moi, hein, j'avais pas compris ça. Et puis voilà. Ok, très bien. Alors donc ici nous avons des leviers de couleurs, enfin sur des trucs de couleurs. Et là-bas, je suppose que c'est un indice. Ici c'est rouge. Ouais, c'est ça. Ici c'est orange et ici c'est vert. Donc rouge, orange et vert. Alors on va voir. Tac, tac, tac. Rouge, orange, vert. Rouge, orange. Je sais pas lequel c'est. C'était celui-là apparemment. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Serait-ce un jump? Jump? Non, il n'a pas l'air. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un. À mon avis, c'est le monde Nether du coup. À mon avis, c'est le monde. Ah, attendez. Ce serait pas par hasard le truc là, le. Comment ça s'appelle? Je pense que ça doit être un mot qui ne peut être visible que d'un seul angle ou un truc dans le genre. Je pense que c'est un truc comme ça. Je pense que c'est un truc comme ça. Ça me paraît très logique en tout cas. Mais alors du coup, comment ça fonctionne? Faut le voir dans quel angle. Je sais pas. Je ne sais pas. On va aller par là. Je vais manger une potion de hint. C'est peut-être ce que j'ai dit, mais je suis pas sûr. Alors, if you can get on the top of the structure, perhaps you will find something. Très bien. Donc si on va en haut de la structure, donc c'était bien un jump, c'était pas le truc que je pensais. Mais c'est, ça me fait penser à ça quand même. Hein, c'est bizarre. Comment je fais? Bah, je suis con. Je vais commencer par là. Tac, tac. Bon, on peut pas aller en haut de la structure. Marrant lui. On ne peut pas aller en haut de la structure, mon cher ami. Comment est-ce qu'on peut faire? Si je vais là, peut-être. Là. Non, c'est pas possible. Je suis en pleine réflexion, pardon. Ah, ça doit être là. Je pense que je dois aller là. On va essayer d'aller là. Aller par là, par là, tac, 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 et après. Ah bah voilà, c'était juste ça. Très bien. Donc là, ça me donne une clé. Ah, et ça a fait spawner une enclume. Très bien. Il y a quelque chose dans l'enclume? Il n'y a rien dans l'enclume. Je vais mettre ça là. Ok. Ok, donc en fait, je pense que c'est bien ce que je disais. C'est un truc, c'est un mot qu'on ne peut voir que dans un seul angle. C'est un mot qu'on peut voir que dans un seul angle. Il faut renommer la clé en ce mot. Je suppose que c'est ça. On va essayer. Alors déjà, bon, là, ça fait rien. Non. Non, 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 non. Bah non, là, y a rien du tout. Peut-être dans ce sens-là, j'avais cru voir. Oula. Là, on dirait un F. Attendez que je réfléchisse. Un F. Un A. Un L. Je crois que c'est F, L, A. Là, ça doit être un M, un truc dans le genre. Putain, c'est compliqué. F, L, A.
Là, j'ai quelque chose, les F, L et A. On le voit bien, là, mais on voit pas le reste. Peut-être que je me déplace. Faut peut-être se mettre là. Bah oui, fallait juste se mettre sur la glowstone, je suis trop con. F, L, A, M, E. Flame. Ça doit être flame. Flame. Comme les flammes. Alors. Je sais pas par contre si je dois le mettre en majuscule ou pas. Je vais le mettre en majuscule, ça me paraît logique de toute manière. Hop. Voilà. Et. Ah bah voilà, je crois que j'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Très bien. Bon, bah c'est. Je suis content d'avoir résolu ça. Et. Oula. Ah, c'est bien fait, hein, putain. C'est trop bien fait, putain. Ok, donc je suis bien dans le monde du Nether. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de beau? Alors, on va aller par là, je suppose. Tac, tac, tac. Plus vite. Ok. Ok. J'ai fait clic droit, j'ai eu un livre. Ancient Book. Known Spell. Très bien. Et re tout le monde, excusez-moi pour cette petite ellipse. J'ai eu une intrusion. Et oui, comme vous pouvez le voir, dans ma famille, on n'est jamais tranquille pour tourner une vidéo. Donc, on en était où? Ah oui, on avait donc l'Ancient Book avec aucun spell de gnome. Là-bas, j'ai remarqué qu'il y avait un bouton. On va aller taper dessus. Évidemment, je me prends le bidule. Paf, on tape dessus. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est un truc pour porter les armures, pardon. Et là, il y a des armures. Très bien. Et ici, il y a des phrases. Though not a criminal, I'm bound. Bien que pas un criminel, j'en suis lié. I was once of royalty. J'ai été une fois dans la royauté. Jewels adorned my feet. Pierres précieuses sont dans mes pieds. Enfin, étaient dans mes pieds. Et mon cœur était protégé par un métal. Enfin, par le plus fort métal. Métal le plus fort. Très bien. Donc c'est une énigme. Je suppose qu'il faut mettre les éléments d'armure là-dessus. Et puis voilà, ça devrait marcher. Alors, so not a criminal, I am bound. Alors, qu'est-ce qu'un criminel peut voler dans les armures? Je suppose que c'est l'or, puisque c'est l'un des métals qui vaut le plus cher. Je suppose. C'est même pas un métal, je sais pas, je pense que ça doit être l'or. C'est l'or ou le diamant, de toute façon, on essaiera les deux après. Ensuite, I was once of royalty. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Moi, je penserais à l'or aussi, mais ça m'étonnerait. Ensuite, jewels adorn my feet. Bah, pierre précieuse, bah, c'est diamant. Hop. Ensuite, and my heart was protected by the strongest metal. Bah, c'est l'iron, je suppose. Et puis, du coup, après, il reste ça. Je pense qu'il faut en mettre un. Je pense, royalty. Je pense que c'est les chaînes. Je sais plus comment ça s'appelle, les chainmail. Non, pas chainmail. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'était ça. Et ouais, donc j'ai un spell, le spell of speed qui va me permettre d'aller plus vite, je suppose. Je ne sais pas où l'utiliser, par contre, à mon avis, ça doit être là. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie là? D'accord, donc c'est un lava run, donc c'est forcément ici. Très bien. Et ben c'est parti, spell of speed. On est parti. On va pas assez vite, putain. On va pas assez vite, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut peut-être appuyer dessus deux fois. Un, deux. Peut-être que oui, l'enchantement il est beaucoup plus fort, oui. Oui, c'est beaucoup plus faisable. Par contre, je peux pas aller là-bas. Il doit y avoir quelque chose là-bas. Je peux pas y aller tout de suite. Aïe. Ok, je n'ai plus de speed, on va en remettre un coup. Hop, voilà. Donc là, je rappuie, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Spell of Leaping. Leaping qui signifie, bon. Je suppose que c'est, Jump Boost. Aïe, 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 aïe. Bon, de toute façon, je peux que crever, hein. J'ai pas trop le choix. Ok, donc Leaping, ça peut être que là, puisque tout à l'heure, on pouvait pas aller là. Très bien. On est parti. Ok, il faut appuyer dessus quand ça marche pas. Réappuyer dessus. Ah non, faut que j'aille ici et ici. Ok, très bien.
D'accord, je ne peux pas aller sur cette, je ne peux pas aller là. Excusez-moi, monsieur, mais c'est pas possible. Je ne peux pas aller là. Oula. Je croyais que j'avais fait un bobon, mais non. Un bonbon. Lol. Je suis très drôle, n'est-ce pas? Par contre, je ne sais pas comment passer là. C'est bizarre. Attends, je vais appuyer dessus 50 fois, peut-être que ça va marcher. Yes! Ok, donc faut appuyer 50 fois dessus, ça va marcher. Hop. 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 Et hop! Nickel! Très bien. Alors, donc ici on a un nouveau sort, je suppose. Spell of Flame, ça a l'air d'être intéressant. Je clique dessus. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça permet d'être immunisé à la lave. Mais je pense pas que ce soit ici qu'il faut l'utiliser. Je pense plutôt que c'est à l'endroit où on a eu le lava run. À mon avis, il faut l'utiliser là parce que ça va me permettre d'aller plus loin que là où on avait été. Je sais pas si vous vous en rappelez. En tout cas, moi je m'en rappelle. Hop, on prend du speed à mort. Yeah. On est parti. Ok, nickel, c'est ce que je pensais. Très bien. Et donc là, nous avons le dernier, le Spell of the Netherite. Ça fait quoi si j'appuie dessus? Putain, ça m'a fait trop peur. C'est quoi ce screamer, sérieux? Ok. Bon, bah, on retourne. Par contre, je sais pas à quoi ça sert. Netherite, ça veut dire, œil du Nether. Pour ceux qui seraient très nuls en anglais. Par contre, je sais pas où on peut l'utiliser parce que du coup, tout a été fait, je pense. Attendez, on va aller voir. Peut-être qu'il y a un truc qui est apparu. C'est très très long tout ça. Je sais pas si je vais tout droit ou pas. J'espère. Ah oui, j'allais tout droit. Très bien. Ok. Par où est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il y aurait pas un truc par là-bas? Attends, je vois rien avec cet effet de flamme. Alors à mon avis les amis, c'est par là-bas. Vous voyez, il y a un trou avec la continuité de la structure. Donc je pense que c'est par là-bas. On va aller par là-bas. Encore combien de temps de fire résistance là, parce que c'est très chiant. Je vais boire une potion de heal pour récupérer ma bouffe. Voilà. A safe way out of the Nether would most likely be hidden somewhere strange. Ça veut dire un passage sécurisé en dehors du Nether pourrait être caché quelque part d'étrange. Très bien. Bah, je suppose que c'est là, donc je suppose qu'on doit utiliser quasiment tous les sorts. Speed, bon pour passer. On va aller par là. On va aller ici. Ah! Ok, Spell of Flame. Voilà. Alors, speed. Speed et leaping. On va retourner par ici. Hop. C'est du jump. Oh putain. Ok, c'est bon. Et on reprend du speed et du jump. Du speed et du jump. Ça, on est sûr de pas se foutre. Putain, mais pourquoi je l'ai pas eu? D'accord, maintenant je l'ai, mais tout à l'heure je l'avais pas. Putain, c'est de la triche. Ah, oh, j'aime pas recommencer le jump et j'aime pas me foirer. Oh, purée. C'est sadique, hein, comme map. Au début de série, je vous avais conseillé de la télécharger, mais finalement, je retire ce que j'ai dit, hein. C'est de la pure torture. Ouf. Ok, non, 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 voilà. Speed, leaping, leaping. Ok, j'y suis. Bon, alors ici. D'accord, donc je suppose qu'il faut que je prenne le speed. Speed, 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 re-speed. Ouais, yes, j'y suis. Ok, donc là, je suppose que c'est le flame. Je ne sais pas où faut aller. Je suppose que c'est en haut du coup, puisque si c'est pas en bas, c'est en haut. Oui, ça m'a l'air d'être ici. Et en effet, c'est là, nickel. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. On peut le dire, on peut se l'avouer. C'est très beau.
Très bien. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Bon, je continue, hein. De toute façon, il n'y a qu'un chemin. Hop. Ok, un portail de l'End. Un portail de l'End dans le Nether. Et il n'y a pas... Je suppose du coup qu'on doit mettre les yeux... Attendez. Nether Eye. Ah bah tiens, justement. En fait, ça doit être un portail du Nether inversé ou un truc dans le genre. Il faut mettre les yeux grâce au spell Nether Eye. Putain, ça fait trop peur. Oui, c'est ça. Putain, je suis trop vrai, vraiment trop fort aux énigmes, hein, c'est abusé. Tac. Ça fait peur. Sauron, non. Ah! Non, parce que la flèche, je trouvais. Ah! Ok, bah c'est bon, on a réussi. Eh bien, écoutez, les amis, on va se garder le suspense ici, pour éviter de tout vous dévoiler. N'empêche que je pense que c'est le dernier, c'était la dernière structure avant le boss final, puisqu'il me semble qu'il y a un boss final. Donc, on va laisser le suspense ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter pour dire vos opinions et tout ça, à mettre des j'aime si vous avez aimé. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, sur ce, du coup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!